La femme est le complément d'objet qui s'accorde en toutes circonstances. Une citation de Sonia Lachenie et nous sommes le 10 mars 2021, toujours dans le mois de mars et toujours évidemment dans le mois de la femme. Donc voilà, je suis là pour vous servir. J'espère que vous, chez vous, dans les embouteillages ou à la maison ou au boulot, vous êtes connectés sur Média 241, la chaîne Média Web fièrement gabonaise. Prisca Marielle pour vous servir et bien évidemment, je ne suis pas seule. Je suis toujours avec mes gens, mes inters et à ma gauche. J'ai Hervé. Hervé, bonjour. Bonjour Prisca. Comment tu vas? Ça va très bien. Alors, et la pluie de ce matin? Ouh là là, je te dis pas. Parce que là, ce matin, tu es fringué comme un Parisien, quoi. Bah, petite écharpe, veste en velours et tout. Faut pas venir nous stresser ici sur le plateau, hein, s'il te plaît. Tu t'es pas mouillé, ça va? Non, non, ça va. Avec comment t'es ravissante. Ah, mais oh là là, mon Dieu. Ou bien c'est parce que c'est le mois de la femme. Genre, tu fais semblant. Mais non, genre, je suis ravissante. Ravissante tous les jours. Ah, merci. Heureusement, t'as précisé. Je vois déjà l'œil de Romaric là. Romaric, bonjour. Bonjour, Prisca. Bonjour, chers abonnés. Comment vas-tu ce matin? Je vais bien, je vais bien. Moi, je ne subis pas les affres de la pluie. Hein. Moi, je viens comme un professionnel. Je n'ai pas me battre avec des mamans okay. De taxi. Ok, d'accord. J'ai quelque chose à dire d'ailleurs. Oui. Hervé se bat avec les mamans le matin pour prendre le taxi. Un peu d'élégance, jeune homme. C'est la journée de la femme. Comment tu dévoiles les secrets ici? Hervé a dit qu'il doit commencer sa matinale à 8h30. Donc, le gars, il est ici à 7h. Donc, il faut qu'il se batte au quartier pour arriver à l'heure. Parce que si on n'arrive pas à l'heure ici, c'est compliqué. Incroyable. Mais avant de commencer, on va faire l'appel, bien évidemment. Donc, le professeur Prisca Marielle est là et je fais l'appel. Yorin Kogé, présent. Merci de répondre, présent. Hein. Voilà. Jonathan Dienghi, présent. Ivan D.I., il est présent. En fait, Ivan D.I., aujourd'hui, je te dis bonjour spécialement à toi parce que laissez-moi vous dire que Ivan D.I., qu'est-ce qui s'est passé avec ce monsieur ou ce jeune homme, je ne sais pas c'est qui. En fait, on a publié le chap-chap sur la page Média 241 des femmes de Média 241. Et un petit teaser où on voit mon visage et je dis certaines choses. Apparemment, les gens ne sont pas trop d'accord. Et Ivan faisait partie de ces gens-là. Donc, je lui ai dit de venir ce matin dans la classe de la matinale 241. La matinale 241, je devais faire l'appel et je devais lui donner la suite de ma réponse. Vous avez vu le teaser de ce chap-chap de la gloire céleste ou pas? Oui, exactement. Moi, déjà, moi, j'apprécie déjà. C'est vrai que la vidéo n'est pas encore intégrale. Oui. Mais déjà, le teaser s'annonce très, très bien. Je sens qu'il y a des choses qui vont se dire un petit peu croustillante et tout. Mais déjà, j'ai vu les commentaires de ce soi-disant Ivan. Oui. Il a un peu commenté. Voilà. Ah, il m'a un peu titillé. Mais en fait, les gars, ce que vous devez savoir, les gars, les go, vous tous qui êtes connectés, ce que vous devez savoir, c'est que moi, je ne fais pas partie des personnalités publiques de la télévision gabonaise. Entre parenthèses, de Média 241, je ne suis pas ce genre de personne qui sa page est gérée par quelqu'un d'autre. J'ai pas d'assistant. D'accord? Donc, quand je réponds là, c'est moi-même. Moi-même, je réponds. Donc, je vous réponds. Donc, si vous me dites un truc, frère, si tu me parles bien, je te parle bien. Tu me parles mal. Je peux aussi souvent te parler mal, selon mes humeurs. Mais sinon, on ne va pas en arriver là. Lionel Toucourt, bonjour. Freedom Ogula qui nous regarde depuis Marseille, si je ne me trompe pas. Bonjour. Voilà. Et on a un nouveau là. Aliou So. Bonjour à toi, je sais que tu es un nouveau parce que c'est la première fois que je vois ton nom s'afficher sur notre direct. Donc on va faire le temps de passer à proprement dit dans notre programme. Je vous invite sur ce à aller sur la page Média 241 sur laquelle vous êtes déjà pour suivre notre direct, de liker la page et ensuite de revenir sur notre direct et de partager parce que on a besoin de ça, on a besoin de vos partages, on a besoin de vos likes et de vos forces. Donc je vais justement vous rappeler que la matinale Média 241, c'est de lundi à vendredi à partir de 8h30.
D'accord. Ici, il n'y a pas trop de protocole parce qu'il y en a hier qui nous ont critiqué. Oui, on n'est pas professionnel. En fait, à la base, hein, c'est une matinale. On est là pour se réveiller, on est là pour être dans la bonne ambiance. Et vous voyez que sur notre plateau, c'est pas carré, c'est pas protocolaire. Donc, si j'ai soif et que j'ai envie de boire mon thé, bah. Je bois mon thé, donc voilà, je fais ce que je veux. Si j'ai envie d'ajouter du bonbon mentholé dans mon thé, j'ajoute du bonbon mentholé. Et puis, et aujourd'hui, il n'y a pas de bonbon mentholé, donc c'est dommage parce que nous, on sort tôt, on sort déjà à 6h, à 5h du matin. Et du coup, les boutiquiers d'Akanda de la gloire céleste, mon Dieu, ils commencent à 10h. Non, je suis dépassé avec les gars. Le boutiquier d'Akanda, quand tu veux sortir à 6h, tu as besoin peut-être de la monnaie, de prendre quelque chose pour ton enfant que tu amènes à l'école, il n'est pas ouvert. Le gars ouvre à 7h, voire 8h. Le coiffeur d'Akanda n'est pas ouvert avant au moins 9h30, 10h. Il y a des petits commerces comme ça, des gens qui sont utiles. C'est-à-dire, on m'a appelé tard pour un entretien. Mm-hmm. On rentre maintenant chez nous à 18h, tu dois être à la maison. Le salon de coiffure ferme à 16h. Et le gars, à 9h, il n'est pas encore ouvert. Toi, tu as rendez-vous, par exemple, à 10h. Tu veux bien aller refaire le corsage avant d'y aller. Quand même, quoi. Rien à faire, le gars dort. Qu'est-ce qui se passe à Akanda? Donc, Akanda des Big Boys. Vie sa vie, quoi. C'est incroyable. Alors, bonjour et bienvenue à Azose Badinga. C'est la première fois qu'on te voit. Donc, voilà. Merci d'avoir répondu à l'appel. Maxime Prime, bonjour. Donc, Yorick Kogé, oh, tu connais la devise, c'est moi qui dis sur le plateau, frère, tu connais. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Hormis le fait que dans Akanda, on se lève super tard, mais il y a aussi quand même l'embouteillage, quoi. Ça, C'est incroyable de se dire que tu te lèves à 5h et que tu fais le tout possible pour être, on va dire quoi, au bord de la route, pour ceux qui prennent le taxi, même si tu as ton véhicule, pour être en route, en chemin, à 6h. Et qu'à 6h, il y a déjà l'embouteillage. L'embouteillage démarre, ceux qui connaissent Akanda, pharmacie d'avant, bam, c'est déjà full. Tu veux passer par la Sabière pour dire que tu esquives, c'est déjà full. Mm-hmm. Tu veux passer tout droit, c'est déjà full. Donc, il faut être cascadeur, tu passes à gauche, tu passes à droite. Et parfois, il y a les motards, si tu me montes sur le trottoir, il te dit, frère, arrête-toi là. Arrête-toi là, s'il te plaît, tu me donnes tes papiers. Mais après, si on essaie de regarder, ça peut être dû à quoi? Ça peut être dû que si les routes sont devenues petites, les Gabonais achètent déjà les voitures. Mais après, il faut aussi savoir que beaucoup de gens veulent rester à Akanda. Voilà. Pourquoi vous voulez rester à Akanda? Il y a encore la place, ça y est. Eden Kombila, la simplicité, l'efficacité. Moi, j'aime. Merci, mais tu étais en retard, frère. J'ai commencé l'appel à 8h30. Tu es arrivé à 8h49. Donc là, en fait, faut que tu fasses quelque chose là. Bonjour Asaf Ngebi Badinga, bonjour à toi. Et on va commencer à proprement dit, parce que là, j'ai déjà fait l'appel. Ceux qui ont entendu leur nom, merci de nous faire un petit coucou avec des smileys d'amour, de cœur, voilà. Et ceux qui n'ont pas entendu leur nom après que moi, je n'ai fini de parler, ça fait déjà moins deux sur la moyenne, d'accord? Voilà, et on va commencer avec la citation du jour. Citation du jour. En fait, je commence à rigoler parce que je sais que les gars du plateau vont s'échauffer, en fait. Citation du jour. Une femme n'oublie pas, elle archive. Voilà. Je dis ça. Romaric. Je suis censé avoir des réactions. Non, je dis qu'une femme n'oublie pas, elle archive. Vas-y. C'est d'une évidence certaine. Absolument. C'est-à-dire que vous êtes rancunière à un point. Je n'ai jamais vu ça. La femme, elle te sourit, elle se dit, je vais lui faire du mal. Lorsqu'on pardonne, le pardon, c'est l'oubli. Lorsqu'on pardonne à quelqu'un, il faut pouvoir oublier et passer à autre chose. La femme n'oublie jamais. Elle garde ça dans un coin de sa tête. Et le jour où tu t'y attends, le moins, tu sais, il y a une chanson qui dit « On n'oublie jamais rien, on vit avec. » Oui, vivre avec quelque chose, c'est une chose. Mais mettre dans le coin de sa tête et se dire « Je vais le sortir à un moment où il ne va pas se... » Au moment opportun, tu te dégaines. Voilà, mais vous êtes terrible. Vous êtes terrible, c'est incroyable. Hervé, de toutes les façons, si tu es de la vie de Romaric, tu sors. La vie, c'est pas vrai. En même temps, je ne peux qu'être du même avis que Romaric. Bah voilà, en fait. Déjà, je vais reprendre la citation de Amadou Mpateba qui disait qu'en Afrique, une bibliothèque qui meurt, c'est un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui meurt. La femme qui brûle. Qui brûle. Voilà, merci. La femme n'oublie rien.
Elle va te dire, non, chérie, ça va. Par exemple, elle a même des problèmes avec, de couple avec son mari dans la maison. Mm-hmm. Je ne sais pas ce qu'il a fait, on va prendre ça comme ça. Même quand il n'a rien fait, frère. Il n'a pas besoin de faire chose de grave. On va prendre la situation dans laquelle il a fait quelque chose. Merci, Hervé, parce que mon mari, en fait, tu vas me chauffer le matin. Non, c'est bon. Ok, Hervé, continue. Le mari va tout faire. Il va faire des cadeaux. Il va, je sais pas, il va vouloir s'excuser de toutes les manières. Ce qui est sûr, elle ne va pas oublier. Merci. Le moment où elle va déclencher ça, c'est le moment où je dis, s'il vous plaît, les femmes, connectez-vous, venez me donner votre avis sur la citation. Une femme n'oublie pas, elle archive. Mais Maxime contre... prime, la femme est donc rancunière. Papa, là où je suis assise, là, je suis rancunière jusqu'à le feu sort. Mais par contre, je veux aussi souligner quelque chose. Il y a des choses qu'on ne peut pas oublier quand même. J'avoue. Ouais. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas oublier, ouais, frère. Toi vrai. Et moi, on est mariés, tu m'emmènes un gosse qui a genre 3 mois. Non, là, c'est des hommes. Mon ami, à un moment donné. Là, c'est des hommes. En fait, je pense que la citation va surtout dans le sens de. On a bien dit la femme n'oublie rien. C'est-à-dire, c'est pas que les trucs graves, ça garde comme tout le monde garde des trucs graves. Tu m'as fait un truc. Je regarde, regarde, c'est pas pour te couper. Yorin Kogé, tu vas sortir. Parce que ce que tu dis là, ça ne me plaît pas. Il a dit Adier Lacroix, c'est l'archivage, archiviste en chef. Et il continue en disant, une simple dispute, tu entends seulement, oui, c'est comme ça que tu as fait l'année dernière. Oh, Yorin, tu vas sortir. En même temps, il a raison. Non, mais c'est clair. J'avoue, c'est en même clair. Temps, il a raison. Mais bon, vous savez, la femme, elle va dans tous les extrêmes. C'est qu'une femme, quand elle est heureuse, elle sera heureuse à fond. Mais ouais. Vraiment sans faire semblant. Ouais. Et lorsqu'elle est fâchée à fond aussi. Voilà, nous, on a toujours les deux extrêmes. Mais il faut dire que là aussi, les gars, vous choisissez que la partie du film qui vous intéresse. Parce qu'une femme n'oublie pas, elle archive. Une femme n'oublie jamais les dates d'anniversaire de son mari, les dates de la première rencontre, par exemple. Donc, voilà, quoi. On sert quand même aussi à quelque chose. Non, je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis juste que le problème, c'est que de la même manière qu'elle archive tout, elle n'oublie rien. Elle veut que ce soit le cas pour nous. On n'est pas pareil, mesdames. Oh là là. Si tu oublies un jour l'anniversaire de ta mère, de ta femme, de ta soeur, ou même de ta collègue amie de longue date, elle va te regarder au coin de l'œil comme mon frère. Ah bon, donc je ne compte pas. Non, ce n'est pas un problème de compter, c'est un problème que notre mémoire à nous, hommes, elle est plus sélective. Et c'est pour ça, que je vais ce matin féliciter Eulaline Zaou, en fait, parce que la sœur, je suis d'avis avec toi, et elle dit j'archive ce qui est important et troublant. Effectivement. Voilà. Tu ne peux pas commenter ça. Lionel, tout court, quand elles reçoivent des biens mal acquis, comment oublier? Lionel, tu vas sortir. Tu as déjà moins 5 sur ta moyenne parce que là, tu commences à déborder, le frère. Là, tu débordes. Là. Maxime Prime, il dit pas facile de vivre avec une bombe à retardement. On assume ça jusqu'au bout de la gloire céleste. Voilà. On assume et on va continuer comme ça. De toutes les façons, Maxime Prime, Lionel, tout court, vous n'allez pas vivre longtemps. Moi, je vous dis ça déjà clair. Et on continue, on y va sur les potins de la presse. Professionnel. Les potins de la presse, première page, comme d'habitude, c'est la quotidienne. Hein? L'Union, 500 francs. 5 pièces de 100 francs. 10 pièces de 50. 10 pièces de 50, ensuite. 20 pièces de quoi? De 25. Tu commences à faire comme tu fais là. Bientôt les ardoises. On va vous montrer votre vérité ici. Alors, l'Union du jour, première page. Ce qui attend les travailleurs. Donc, on a le code du travail. Alors, est-ce que c'est une nouvelle révision du code du travail? Règlement de conflit, exercice des droits de grève, gestion du temps de travail. Je pense que c'est une réforme. Oui. Parce que depuis un moment, on a des grèves par-ci, grèves par-là, entre certains employeurs qui ne respectent pas justement la masse d'horaire de travail et tout le reste. On va dire les clauses du contrat simplement. La plupart des Gabonais ignorent. On va encore revenir là-dessus. On va vous en parler tous les jours. Il faut connaître le droit, il faut connaître vos droits, il faut connaître la loi parce que nul n'est censé l'ignorer. Ignorer la loi. Parce qu'à partir du moment où tu te fais renvoyer de façon abusive, c'est dans le code du travail. Mm-hmm. Ce qui doit être fait, dans quelles conditions tu te fais renvoyer, ce que
ton employeur risque, ce que toi tu risques, si c'est toi le problème, tu dois savoir toutes ces choses-là. Nous, on va, et au Gabon, c'est un peu difficile. Lorsqu'on te propose un travail, tu es déjà en situation difficile, ou dès qu'on te dit, on te donne même 100 000, tu te dis, ah merci, sauver du chômage, je vais pouvoir me lever tous les matins, et tu oublies de regarder précisément ce qu'on a mis dans ton contrat, si contrat il y a. Ouais. Parce que la révision, ce qui attend les travailleurs, là, ce serait bien. Justement, qu'on se concentre sur les entreprises qui emploient les gens sans contrat, qui les font travailler pendant des années, qui les exploitent et qui s'en débarrassent sans gêne, quoi, en fait, parce que ils savent que la personne en face ne connaît pas ses droits. Ouais. Exactement, je pense que c'est des réformes aujourd'hui nécessaires, parce qu'il y a beaucoup de travailleurs. Bon, encore, qu'est-ce que c'est la réforme? Nous, on lit les titres, on se dit. Voilà, on lit les titres. Parce que je considère que c'est censé être de la et loi. Surtout qu'on avait déjà eu, je pense, il y a quelques temps, une réforme du code du travail. Donc, ça fait pas plus de 3 ans. Oui, exact. Ouais. Exactement. Donc, vraiment, si c'est le cas, il y a beaucoup de gens qui travaillent aujourd'hui au noir. Et ce serait vraiment bien de pouvoir mettre en lumière, si on peut appeler ça révision. Oui, bien sûr, il faut. Alors, on va passer sur Gabon Review. Gabon Review, le grand titre sur Gabon Review. Libreville Mbigou touchée à leur tour par un séisme apparemment de faible intensité. Une secousse a néanmoins été ressentie cette nuit du mardi 9 au mercredi 10 mars à 24 heures dans plusieurs quartiers de la capitale. Sans nul doute, un nouveau séisme après celui qui a survenu dans les villes de Fougamou, Lambaréné et Ndiolé la semaine dernière. Personnellement, je suis rentrée chez moi à 19 heures. 21 heures, j'ai dormi jusqu'à 5h30. Votre séisme là, je n'ai pas senti. Mais par contre, il y a beaucoup de personnes qui ont réagi sur les réseaux, qui avaient effectivement ressenti les secousses et tout. Mm-hmm. Donc il faut savoir déjà qu'il y a un an, cette situation s'est produite déjà au Sao Tomé, je ne sais pas comment, Principé, voilà, je pense que c'est comme ça qu'on appelle. Il y avait eu un tremblement de terre là-bas et les ressentis se sont poursuivis jusqu'au Gabon. Mmh. Donc il y a déjà eu cette situation. Donc si vous, chez vous, vous l'avez ressenti et dans quel quartier, ce serait sympa de nous dire en commentaire pour qu'on sache un peu à peu près. Oui, beaucoup de monde. Moi, je me suis réveillé là-dedans. C'est ma femme qui a commencé à me dire, mais il y a eu un séisme cette nuit, il y a eu un tremblement de terre. Je dis, moi, je ne sais pas, je dormais, quoi. Donc elle ni elle, ni moi, n'avons senti. La majorité des gens que je connais dans Akanda n'ont pas senti, mais au Kala, j'ai eu des nouvelles. Au Vendo, je pense que les gens vont réagir et nous dire, maintenant, Akanda, on est costaud. Mm-hmm. C'est-à-dire que même les séismes, on devrait se faire. C'est ça. Akanda, les boss. Je n'ai pas non plus ressenti. Il y a un truc qui ne va pas. Pourquoi tout le monde ressent quelque chose? Moi aussi, j'ai envie d'écrire sur mon statut, ouais, petit séisme, tout ça. Vous voulez faire du surtout, vous amusez. Eden Kambila qui dit qu'il a ressenti à Mouila. Donc, c'est déjà bien de savoir. Donc, ouais. Jusqu'à Mouila. Donc, ça veut dire qu'on est parti dans le moyen, donc on est descendu jusqu'à dans le moyen. Lionel, tout court, on va augmenter ta note. Ça fait moins 10 sur ta moyenne parce qu'il a dit seuls les élus ont ressenti ce séisme. Moins 10 sur ta moyenne. Parce que là, tu veux déjà, tu exagères. Non, lui, il cherche quelque chose. Il veut être suspendu ou renvoyé temporairement pendant 3 jours. On va supprimer ton numéro pendant 3 jours, hein, frère. Parce que quand tu dis que les élus, moi, je n'ai pas ressenti ça, donc je ne suis pas un élu. Donc, Hervé n'est pas un élu. Donc, Il parle à ce plateau comme ça, de cette façon. Et surtout qu'à chaque fois qu'on parle de séisme, je ne sais pas, mais si vous avez remarqué, dans certains articles, il y a toujours, dès qu'on parle de séisme, on a dit est-ce que c'est la fin du monde, les gars? Lol. La fin du monde, c'est pas quand vous êtes en train de sentir là, vous dormez, une petite secousse. C'est pas ça. Hein? La fin du monde, c'est pas ça. J'ai lu quelque part, je pense, c'est dans la Bible, oui, que la fin du monde, ça va surprendre tout le monde. On va se demander, tac, tac, ça va arriver. Donc, tu ne vas pas sentir ça et puis être encore là, tranquille, sentir. Et puis tu dis, c'est impossible. C'est impossible. Ça fait revenir quelque chose dans mon esprit, c'est qu'il y a un volcan endormi dans ce pays. Ouais. Quelque part au Gabon, il y a un volcan, je ne sais plus trop la zone, il y a un volcan qui est endormi depuis des siècles. Et puis, à chaque fois que ça arrive, moi, ma femme me rappelle que... Il y a un volcan, j'espère que ça s'est pas réveillé. Voilà, pour elle, surtout quand on ne sait pas où ça se trouve exactement. C'est clair que si ça se réveille, ça ne va pas être la Akanda. Si même les petits séismes, tout,
C'est pas la seule fois. En 2020, on a eu un truc récemment, pas à Sao Tomé, là. Il y a un truc, on s'est levé un matin. Ou bien c'était au truc de Sao Tomé qui a. C'était au truc de Sao Tomé il y a un an. Bon, Yorin Kogé, il est comme moi, il n'a rien ressenti. Maxime Prime, j'espère que c'est comme ça que ça se prononce. Continuez à dormir quand le Fils de Dieu viendra vous-même là-bas. Où... Je te dis, je leur dis ça tous les jours ici. Fidèle Mapendi qui dit, je suis Arabie, nous avons ressenti le séisme et les parents à Alibamba. C'est très très bien. Alors, Dorcas, bonjour, qui dit, on en rigole encore alors que nos autorités devraient le prendre au sérieux. Effectivement, je pense que ouais, ça a été fait parce que si ça, voilà, et surtout que si ça a été relayé dans certains médias, c'est qu'il travaille dessus. Oui. Ivan qui dit, lorsque le tonnerre gronde avec une force, les murs de la maison vibrent. Ce n'est pas un tremblement de terre. Voilà, exactement. On évolue toujours avec Gabon Review et je suis tombée sur ça. Effet néfaste de la COVID-19, la gratuité de l'eau et de l'électricité toujours envisagée au Gabon. Le titre, là, seulement m'a fatiguée et énervée. Effet néfaste, pourquoi ? De la COVID-19 ? Donc, avoir de l'eau et du courant gratuitement, c'est un effet néfaste. C'est paradoxal. C'est une bonne chose pour les Gabonais. S'ils peuvent continuer à avoir l'électricité et l'eau sans la payer, si l'État... C'est vrai que moi je ne connais pas ce que ça fait en matière d'économie, ce que ça fait comme coût sur le pays. C'est sûr que l'État dépense de l'argent, mais ce n'est pas le Gabonais qui va trouver ça comme effet néfaste. L'an dernier, en dehors des loyers dont on a parlé, certains propriétaires n'ont pas perçu les loyers, d'autres ont dit moi je ne suis pas dedans, vous me donnez mes loyers. Il y a eu cette aide de l'État au niveau du courant, surtout ceux qui avaient les compteurs. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour les compteurs normaux, mais moi j'ai reçu une fois, des unités de courant pour 15 ou 20 000, je ne me rappelle plus trop. Moi, ça m'a fait plaisir de ne pas avoir à dépenser 15 ou 20 000 d'unités. Et un Gabonais qui lit ça, il va se dire, effet néfaste, c'est pour vous, c'est pas pour moi, en fait. Ouais. C'est vrai que le titre est un peu paradoxal. Quand on peut savoir que la pandémie a vraiment mis à terre l'économie. Oui, ça, si ça, tu peux aider, ça ne peut qu'aider. Hein, ça ne peut qu'aider. Vraiment, le titre n'est pas... Oui, mais non, c'est peut-être sur le plan économique et surtout que, il y a combien de Gabonais qui ont eu la gratuité de l'eau et de courant, quoi. Enfin, beaucoup. Voilà, à la base, c'est sûr que c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Voilà, à la base, c'était vraiment se baser sur les GEF, les Gabonais économiquement faibles, mais même la majorité des Gabonais économiquement faibles ne l'ont pas reçu. Et il y a même des Gabonais économiquement forts qui l'ont reçu. On ne sait pas comment, mais bon, il y en a qui trouvent le moyen d'obtenir toujours tout, même ce qui est dû à une catégorie de personnes, mais c'est des trucs qu'il faut éviter. Alors, Lionel Toucourt, ok, je te remets un peu ta moyenne. Il dit que c'est un effet néfaste parce que des répercussions sur les retenues aux sources, c'est-à-dire les salaires et les taxes, et en plus de ça, les redevances. Oui, peut-être, mais bon, après, je pense que État gabonais, on a la possibilité de subvenir, enfin de supporter financièrement ce... Ouais, moi aussi, voilà pourquoi je dis au départ que ce n'est pas un effet néfaste. Et évidemment, Lionel a raison. Voilà pourquoi je parlais du plan économique. Moi, je ne connais pas toutes ces choses-là. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsque l'État paye comme ça, gratuitement, on va s'attendre à que les redevances sont bonnes. Et que 10 000, 5 000 unités qui te donnent à peu près entre 35 et 40, 42 unités, tu vas en avoir peut-être 28, 25. Au calme, mais après, il ne faut pas oublier que le Gabonais, même le Gabonais, on va dire quoi, à faible revenu. Lambda, qui, voilà, il paye les taxes, hein. Bien sûr. La TVA, là, quand tu vas à la SCG, on retire déjà. Même dans les magasins, quand tu achètes quelque chose, tu rends l'argent, frère. Alors, on va boucler les potins de la presse avec un article de Gabon Media Time. Le SAMU social annonce la gratuité de la radiologie dès ce 9 mars 2021. Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle, ça ? Très, très bonne nouvelle. Franchement. Excellente nouvelle. Moi, je veux donner, je ne sais pas, peut-être puis utiliser même nos smileys là pour le SAMU parce qu'ils font beaucoup de bonnes choses. Moi, au départ, quand j'ai commencé à entendre parler, je me suis dit, ah, c'est encore des gars qui viennent nous mettre de la poudre aux yeux. Mais j'ai été au courant de personnes proches de moi, de personnes loin de moi qui en parlent, et leur gratuité là c'est pas un vain mot, hein. Ils vous font des examens bien des trucs approfondis, parce qu'il y a eu en ophtalmologie, il y a eu dans les soins dentaires, il y a eu en médecine générale, ils ont fait un truc récemment à l'intérieur du pays, et là s'ils annoncent en radiologie,
le nombre de Gabonais qui ont besoin de faire des scanners, des radios, de voir un peu ce qui se passe à l'intérieur de leur corps. S'ils peuvent le faire gratuitement, c'est une très bonne chose. Moi, je leur donne beaucoup d'ondes positives et j'espère. Et surtout, voilà, je tiens à remercier et à féliciter le SAMU social gabonais parce qu'effectivement, quand ils ont commencé leur histoire, on a cru que ça n'allait pas durer longtemps. Et le coordinateur du SAMU social qui dit, nous avons ici près de 2000 bons en attente d'examen, car la plupart de nos patients, ce sont des personnes extrêmement pauvres. La radiologie gratuite est donc un véritable soulagement pour eux, a dit Monsieur Venceslas Yaba, qui nous disons merci. Voilà. Oui, je vois un commentaire. J'ai envie de nuancer quand même. Il y a Darel Diromba qui dit une gratuité de 2 mois sur 12 mois de pandémie, c'est assez faible. Le Gabonais a une faculté qui n'est pas souvent bien, c'est-à-dire on déprécie trop vite. Le SAMU social, s'il se retrouve à faire 2 mois ou 3 mois ou même 1 mois de gratuité, c'est que c'est ce qui leur est possible de faire. C'est pas comme si ils peuvent faire plus et font moins expressément. Nous, on ne sait pas s'ils peuvent faire plus. Et puis plus. En même temps, donc, ils n'ont pas les moyens. Voilà, ce qu'on sait, c'est qu'ils font déjà quelque chose. 2 mois, c'est mieux que 0 mois, c'est mieux qu'un jour, frère. Donc, avant de déprécier, il faut toujours d'abord apprécier, et se dire ce serait bien qu'ils fassent encore plus. Ce serait bien qu'il y ait des entreprises qui les accompagnent pour dire vous avez fait 2 mois, nous, on vous accompagne pour un troisième et quatrième mois. Et c'est comme ça que ça se passe. Et quand on sait aujourd'hui que le Gabonais qui n'a pas assez de moyens pour se soigner, il y a beaucoup de Gabonais qui ne peuvent pas se soigner aujourd'hui. Et si on t'offre la possibilité de faire une radio gratuitement, je trouve que c'est une bonne chose. Souvent une très bonne nouvelle. C'est 2 mois, c'est déjà bien. Moi, j'ai eu vent de ça lorsqu'il s'agissait de l'ophtalmologie. Je connais full personne qui y sont allées. Merci au SAMU social en espérant que cela va continuer comme ça et surtout qu'on vous soutient dans votre politique. Et on va refermer les potins de la presse. Donc, c'est avec le SAMU social qui décide à partir de hier, donc 9 mars 2021, la gratuité sur les examens de radiologie. Donc, vous pouvez y aller et vous renseigner parce que, après, nous, on ne fait que passer l'information selon ce qu'on voit sur les médias en ligne. Et on va continuer avec Hervé qui nous présente la doc du web. Hervé. Alors Prisca, alors aujourd'hui on va voyager. On va voyager, mais si... Ouh là là, ça faisait longtemps que j'avais pris l'avion. On va voyager pour aller au Sénégal. D'accord. Mais je vous rassure, déjà, il n'y a pas de bonnes nouvelles là-bas. Oui, parce que ce qu'on voit là, depuis un moment, là, depuis un moment, voilà, exactement. Depuis 5 jours, il y a des manifestations. Mm-hmm. Il y a des manifestations qui secouent la ville de Dakar au lendemain de l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko. Donc, ce dernier est accusé de viol et il a été placé en garde à vue pour trouble à l'ordre public. D'accord. Donc, il aurait causé... En fait, on l'a arrêté parce qu'il aurait causé, comment dire, un attroupement lorsqu'il se rendait au tribunal pour son arrestation. Et Ousmane crie au complot de l'État. Pardon. Bon, évidemment, je pense que sur le plan politique, Ousmane Sonko, il y a eu les élections présidentielles au Sénégal, ça ne fait pas longtemps, ça doit être un bien. Exactement, c'est la raison pour laquelle il dit qu'on veut l'écarter de la présidentielle. Oui, parce qu'il a été défait et il prétendait à ce moment-là avoir été vainqueur. Mm-hmm. Donc Macky Sall a été réélu et le gars, comme généralement en Afrique, s'est dit qu'il y a eu un petit tripatouillage et donc il continue à mener des actions pour commencer déjà à poser ses pions en vue de la prochaine élection et il s'est dit que les gars veulent déjà m'écarter pour que je ne me replace plus et tout. Donc le gars a été accusé, il doit aller au tribunal, maintenant il a été mis en garde à vue, on a proposé de le libérer, il a dit que il a fait savoir qu'il ne sortirait pas si on ne faisait pas sortir d'autres prisonniers politiques comme lui et donc c'est en train de créer... On a une vidéo, mais vraiment, à titre de rappel, on ne fait pas de la politique, on est là pour vous informer. Donc, nous ne faisons pas partie d'un camp, on est juste là pour vous informer. Oui, donc, c'est clair. On va regarder ensemble la vidéo pour vous édifier un peu plus. Au Sénégal, Ousmane Sonko, opposant du président Macky Sall, vient d'être inculpé puis relâché sous contrôle judiciaire. Là, Ousmane Sonko se rend au tribunal pour répondre d'accusations de viol qu'il conteste depuis plusieurs semaines. Accompagné de partisans, il est arrêté sur le chemin pour trouble à l'ordre public. Une accusation que conteste l'un de ses avocats. Que personne ne se trompe. L'arrestation d'Ousmane Sonko relève d'un complot d'État. Des actions de soutien se multiplient alors dans plusieurs villes du Sénégal. Des militants favorables à Ousmane Sonko dénoncent la réaction des autorités.
les marches sont réprimées, les marches sont interdites, les forces de l'ordre sont là pour réprimer les marches. En fait, c'est surtout ça qui a attisé le feu, le fait que on n'a pas laissé, on ne laisse plus aux Sénégalais maintenant exprimer leur point de vue. Le vendredi 5 mars, la garde à vue d'Ousmane Sonko est prolongée. Sur les réseaux sociaux, le hashtag Free Sénégal est repris par de nombreux jeunes Sénégalais. Les violences se multiplient, plusieurs supermarchés sont pillés. Le gouvernement regrette la perte de 4 vies humaines et présente ses sincères condoléances aux familles éplorées. Toutes les personnes auteurs d'actes criminels seront recherchées, arrêtées, poursuivies et traduites devant la justice. Le samedi 6 mars, des opposants au président Macky Sall ont appelé les Sénégalais à descendre de nouveau dans la rue pendant 3 jours à partir du lundi 8 mars. Plusieurs personnalités sénégalaises ou d'origine sénégalaise prennent la parole sur les réseaux sociaux. Donc voilà Prisca, voilà un peu la vidéo qui nous a édifié. On tenait vraiment à faire passer cette vidéo parce qu'on a beaucoup de parents, beaucoup d'amis, d'étudiants au Sénégal. Et c'est vraiment important de parler de ce type de sujet-là pour vous édifier également. Et surtout que, Joe, moi je mange le tchèp tous les jours. Et je mange le tchèp tous les jours chez Leïla Aloui. C'est notre bonne camarade sénégalaise. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne compatisse pas à ce qui se passe au Sénégal. Oui, il n'y a pas de raison. Et surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui ont toujours cru que je suis d'origine sénégalaise. Non, je suis gabonaise 100% forte et fière. Voilà. Donc je ne suis pas sénégalaise du tout. Je n'ai rien à voir. Oui, non, non. Je n'ai rien à voir avec le Sénégal. Parce que voilà, on me prend toujours pour une sénégalaise. Non, pas du tout. Mais le visage, la taille, l'attitude, chez une sénégalaise. Maintenant, comme tu l'as dit, ce n'est pas simplement que du tchèp. C'est vrai que le tchèp, si il y a un problème chez eux et que ça ne va pas, on ne va plus avoir le tchèp. Mais la base, c'est que on a d'abord des frères, c'est notre premier intérêt. Exactement. On a des Gabonais qui sont installés au Sénégal, on a une ambassade au Sénégal, on a des étudiants qui y vont tout le temps. Moi, j'ai deux petits frères qui sont partis récemment encore. On a une colonie qui est peut-être l'une des plus grandes en Afrique en ce moment. Oui. Et donc, ce qui arrive là-bas nous touche au premier plan. Et on souhaite que vous soyez tous en sécurité. N'allez pas faire n'importe quoi, restez chez vous, restez calme. Exactement. Ceux qui revendiquent ça, pourquoi ils revendiquent. Mm-hmm. Et il vaut mieux les laisser eux revendiquer et laisser que les choses s'oppose au lieu d'aller se retrouver dans beaucoup de choses. Ce serait vraiment mieux. Donc on prie que la situation se stabilise et que les choses s'arrangent. Donc Hervé, c'était tout pour nous aujourd'hui. Alors c'est tout pour nous aujourd'hui pour la doc du web. Je pense que demain on va encore parler. On aura encore de bonnes choses et on va passer tout de suite au sport et ce sera Sport Time avec Romaric Zogo. Alors, Romaric, Sport Time, on reste, je tiens déjà à t'avertir, parce que la vie, c'est comme ça. Donc, il faut toujours avertir. Attention, c'est devant, c'est pas derrière. Donc, nous sommes le 10 mars 2021, toujours le mois de mars. Donc, tout le long du mois de mars, on savoure, on mange, on boit que les femmes. Donc, si tu n'as pas de femme au sujet aujourd'hui, mon frère, libère-nous l'espace. Et puis, on passe à autre chose. Je suis l'un des plus grands amoureux des femmes. Ma mère est une femme. J'ai tellement de sœurs que j'aime. J'ai ma femme qui est ma femme. Et là, de toute façon, Marie, qu'elle est sa femme. Je n'ai pas besoin que l'homme m'aide. Oui, c'est une zogo. Je ne sais pas ce que tu mets souvent dans ces beignets-là, mais il y a un truc. Il y a un truc. Je suis un amoureux certain. Je n'ai pas besoin, comme je l'ai dit, comme on le disait avec Hervé au début de la semaine, mardi, qu'on n'a pas besoin d'un jour spécial pour célébrer la femme. Exactement. On connaît sa valeur, c'est tous les jours. Et moi, je me rassure de vous faire découvrir une autre femme aujourd'hui que certains d'entre vous connaissent, évidemment, comme d'habitude, mais que certains vont certainement découvrir et ils vont se rendre compte que c'est dommage de ne pas la connaître. Moi, je l'ai connue en 2009, je me rappelle, j'étudiais au Burkina. Et comme je passais beaucoup de temps sur les chaînes de sport, je me suis rendu compte qu'on avait une grande championne dans ce pays. Elle s'appelle Paulette Rudy Zan Milama. Quand j'ai dit Paulette, ça m'a sonné. Moi, je connais que Zan Milama. Le reste de ces prénoms-là. Pourquoi j'ai tenu à dire Paulette Rudy Zan Milama? Parce que c'est un de ces prénoms qu'on ne connaît pas vraiment. La plupart des gens la connaissent comme Zan Milama ou Rudy Zan Milama. Voilà. Grande championne de sprint dans ce pays. Je vais même dire que c'est la championne incontestée du sprint
catégorie hommes et femmes confondus au Gabon. Wow. Elle a 1m56 par là et elle a toujours aussi. Elle est petite, elle a même taille qu'Hervé. Elle a même taille qu'Hervé. Donc, moi, 1m67. Hein. Ah, d'accord, ok. Donc, tu n'es pas alors, elle a pesé entre 46 et 52 kilos tout au long de sa carrière. C'est 46 et 52 kilos de muscles. Parce que pour faire le sprint, il faut l'expliquer, c'est la course de vitesse. Parce que quand je sprint, ils sont un peu perdus. Elle est athlète gabonaise et elle est dans les disciplines de 60 mètres, que ce soit à l'intérieur comme en plein air. Vous pouvez le voir à l'image, c'est elle avec la flèche bleue sur la tête. Et là, elle est derrière Shelly Ann Fraser. Ouais. Qui est ce qu'on fait d'exceptionnel en matière de course des femmes. Celle-là, je ne sais pas, peut-être que c'est un homme caché, parce que lorsqu'elle démarre, personne ne la rattrape. Et ça, c'est pendant les Jeux Olympiques, je pense, de Rio, non, plutôt Londres, de 2012. Alors, elle est née à Port-Gentil, Zormi Lama. Elle est née à Port-Gentil, comme une autre championne dont on a parlé ici, oui. Géraldine Robert. Et elle est née le 6 juin 1987. Alors, elle s'est fait découvrir. Elle éclabousse de son talent et de sa vivacité. Oui. Le monde du foot, c'est au championnat, le monde du foot, le monde du sport, au championnat d'Afrique 2007. Alors elle apparaît, elle a 20 ans seulement. Pour une Gabonaise, c'est fort parce qu'il y a des nations qui forment un tas de tout un tas d'athlètes. Et nous, on la découvre, les gens la découvrent à ce moment-là. Comme je vous l'ai dit, moi, je la découvre en 2009. Elle apparaît et elle ne passe pas le premier tour. C'est pas bien grave parce que l'année suivante, il y a les Jeux Olympiques de Pékin en Chine. Et la dame va jusqu'en quart de finale. Je parle de quart de finale, quoi. Je suis en train de dire qu'elle est parmi les meilleurs au monde à ce moment-là. Parce qu'on arrive en quart de finale, il y a la Jamaïque qui est en ce moment en tête, il y a les États-Unis, il y a la France, il y a l'Angleterre ou la Grande-Bretagne qui sont les nations les plus connues. Et en Afrique, il y a la Côte d'Ivoire qui est en ce moment en tête avec des Marie-Josée Talou, des Muriel Aouré, et il y a le Nigeria avec les Blessing Okagbare et d'autres. Elle est considérée pendant la décennie 2006 à 2016 comme faisant partie du top 5 des meilleures sprinteuses d'Afrique. Parce que devant elle, il n'y a que Marie-Josée Talou, qui est championne olympique à plusieurs reprises, qui est championne du monde, qui est championne d'Afrique à plusieurs reprises. Derrière, il y a Muriel Aouré, une autre Ivoirienne qui a autant de médailles également. Ensuite, il y a les Nigérians, Blessing Okagbare, qui est également championne du monde et d'Afrique, qui a des médailles aux Jeux Olympiques. Et derrière ces femmes-là, arrive Zormi Lama. Vous n'allez pas trouver, on va dire quoi, une sprinteuse qui a des médailles à ce niveau comme elles sont. Palmarès, alors, c'est 2010, après les Jeux Olympiques, 2008, où elle s'arrête en quart. C'est en 2010 qu'elle éclate avec successivement le bronze aux 60 mètres en salle à Doha. Doha, c'est au Qatar. L'argent aux 100 mètres au championnat d'Afrique à Nairobi, au Kenya. Ensuite, bronze encore au championnat d'Afrique de Nairobi, les mêmes championnats. Donc, elle fait le 100 mètres, elle est médaillée d'argent. Elle fait le 200 mètres, elle est médaillée de bronze. Et ensuite, en 2010, toujours, elle est médaillée de bronze au 4 x 100 mètres en Coupe continentale. 2012, les Jeux Olympiques de Londres, en Angleterre, en Grande-Bretagne, dont je vous parle, où elle... Elle a participé. Malheureusement, elle n'a pas gagné. Dans toute sa carrière. En 2012. Elle a fait 3 Jeux Olympiques. D'accord. 2008, non, attends d'abord. 2010. En 2012, elle a participé, elle n'a pas gagné. Bon, ça, c'est pas grave, ça arrive. D'accord. Après 2012, elle a gagné. Après 2012, elle est au championnat d'Afrique où elle gagne l'or. C'est-à-dire que. Très bien. Pour se consoler d'avoir été brimée. Et c'était en 2000 combien? Au monde, on est toujours en 2012. D'accord. Donc elle sort des Jeux Olympiques, elle enchaîne avec les championnats d'Afrique à Porto Novo au Bénin et elle est médaille d'or. Et là, tout le monde est obligé de se dire c'est qui elle? Mais elle vient du Gabon. Et donc, comme ça, ça avance et elle est toujours en exercice. Elle est toujours en exercice, il n'y a pas beaucoup de donc, compétition en fait, en ce moment. Sa médaille, sa dernière médaille d'or, c'était en 2012. Je pense médaille d'or dans les compétitions. Oui, dans les compétitions. Il y a les ligues de diamants, donc ça veut dire que depuis 2012, il n'y a plus de compétition. On ne voit plus le nom de la fièrement gabonaise. Non, mais là, on voit son nom, mais elle n'a pas eu encore de médaille de top niveau comme ça. D'accord. Elle a eu des médailles d'argent, de bronze dans les ligues de diamants. Les ligues de diamants sont les petites ligues qui permettent de se qualifier pour les championnats du monde, pour les championnats. Sinon, on est déjà en 2021. Quoi. Ouais, c'est... Oui, mais il faut savoir que il y a eu des problèmes avec l'IAAF qui est l'institution qui s'occupe de tout ce qui est athlétisme en Afrique et le Gabon avait été suspendu en 2015. Donc depuis là jusqu'en 2021 on est tous suspendus. Non, je pense qu'on est normalement plus suspendu, mais ça a mis du temps. On a failli ne même pas comme ça a mis du temps, le coup, puis on reste en case maintenant. On mange.
Sinon, c'était Sport Time. C'est vrai qu'elle a disparu de la circulation. Oui, je voudrais ajouter également qu'elle participe beaucoup à l'évolution de l'athlétisme dans ce pays. Elle fait beaucoup de dons du côté de Port-Gentil. Mm-hmm. Elle accompagne des jeunes pour pouvoir, parce qu'il nous faut plus de champions que cela. Oui. Après, il faut savoir que le but aussi sur notre plateau, c'est de titiller pour rigoler un peu. Mais bien nous sûr, félicitons toujours notre panthère nationale de l'athlétisme. Donc, Zhang Milama, en espérant qu'on te verra encore courir une fois et ramener les médailles d'or. Donc, voilà, c'était le Sport Time de Romaric. Et vous savez que nous sommes mercredi. Mercredi égale que dit la loi. Donc, on regarde juste après. Alors, que dit la loi, les gars? Et, la semaine dernière, on a parlé de la SEG, la dame qui a toujours ses civils serrés, qui ne veut jamais changer de coiffure à un moment donné. Et aujourd'hui, on a une sympathique petite image et vous allez me dire à quoi ça vous renvoie. Ah d'accord, ok. D'accord, ok. Si j'essaye d'interpréter l'image, mariage forcé, mariage très tôt, précoce, voilà. Bon mari, tu es de son avis? La même chose, parce qu'on voit un petit bébé. Moi, j'aime bien d'avoir analysé l'image. On voit un petit bébé avec, on va dire, j'ai failli dire une couronne, mais vous appelez ça comment les femmes là? C'est... Un diadème. Voilà, merci. Yes. Ça, oh là là. Un diadème sur la tête. Elle a une robe de mariée parce que bon, il y a un voile, la robe est blanche. Et elle est tirée par une mère, on sent que c'est un adulte qui lui a une bague de mariage. C'est un papa. Donc, c'est certainement son père. On va analyser ça comme ça. Oui. Et on va se dire, son père est un fils de la commune. Lionel, tout court, premier de la classe, mariage forcé. Ok, d'accord. Moi, je vais vous poser la question et sur le plateau et de même, vous qui êtes connectés pour nous suivre sur Média 241, la télévision du web fièrement gabonaise, la matinale 241 qui jig ici au Gabon. Voilà. Donc, à quel âge peut-on se marier à l'état civil au Gabon? Vous êtes sur les réseaux. Si vous ne trouvez pas les âges, on va vous allumer. Je vais d'abord laisser la parole aux mariés. C'est pas parce que je suis marié que je connais. Hein. Je vais donc, à quel âge, à ton avis pas. À quel âge? Je vais dire l'âge de la majorité. Je me dis que c'est ce que la loi doit permettre. Donc, non, on va faire majorité, simple. Pour les hommes et pour les femmes. Donc, vous me donnez deux âges. Pour les hommes. Pour les hommes, pour les hommes, pardon. 21 ans. Et pour les femmes, 18. Je dirais la même chose, mais pour les hommes, je dirais 20 ans. D'accord. Vous qui êtes connecté là, Lionel tout court, toi qui raconte beaucoup là, tu parles beaucoup. Yorick, mais je te vois pas là. Eden Kombila, 18 ans pour les femmes. Et pour les hommes, je veux les hommes et les femmes. 18 ans pour les femmes, Eden Kombila, tu as zéro. Voilà, je peux pas te dire autre chose que zéro. Voilà. Essaye encore. Eden Kombila, 21 ans pour les hommes. Tu as encore un double zéro. Yorick Kogé, tu as mis 18 ans. 18 ans pour qui? Les hommes ou les femmes? Maxime Prime, à l'âge où elle peut déjà voter, c'est quel âge? Arrête de nous embrouiller. Donne-moi les réponses que je veux. Alors, Darrell qui dit 15 ans pour les femmes et 17 ans pour les hommes. Donc, 15 ans pour les femmes, Darrell, tu as 1 point et 17 ans pour les hommes, tu as 0. Voilà. Les femmes, 24 ans, Gopaza Delphine, 0. Voilà. Romane qui dit il n'y a pas l'émancipation. Non, on n'est pas sur l'émancipation, on est sur l'âge légal pour se marier au Gabon pour les hommes et les femmes. Edou Kadidja, 15 ans pour les femmes, ok, 1 point. Donc voilà. Yorick, 22 ans pour les hommes, 0. Mais Yorick, tu vas tenter jusqu'à demain. Donc, je vais prendre une dernière. Romande Habib, qui dit 16 ans pour les femmes et 18 ans pour les hommes. 18 ans, 1 point, 16 ans, 0. Donc, je vais vous donner la réponse parce que je suis bien gentille. Hein, voilà. Et je vais vous apprendre des choses aujourd'hui sur la loi. C'est 18 ans pour les hommes et 15 ans pour les femmes. 15 ans, je trouve que c'est tôt quand même. 15 ans, c'est trop bien.
Alors, pour pouvoir se marier à l'état civil, il faut avoir au moins 18 ans pour les hommes et au moins 15 ans pour les femmes. Donc, l'article 203 du Code civil dit que l'homme avant 18 ans révolus, la femme avant 15 ans révolus ne peuvent contracter le mariage. Donc, voilà, c'est 18 ans et 15 ans. Mais moi, ça me ramène à un problème. Donc, il y a quand même une nuance. Attention quand même, les époux qui ont moins de 21 ans, il faut obligatoirement une autorisation parentale. D'accord. Voilà. D'accord. C'est un point qu'il aurait fallu bien spécifier parce qu'on peut intervenir pour aller dans le sens du détournement des mineurs. Oui. Parce que si quelqu'un, une femme, 18 ans, on se dit que c'est l'âge de la majorité pour l'homme, mais la femme a 15 ans, il y a beaucoup de gens qui sont accusés pour détournement des mineurs à 15 ans. Alors, si elle peut se marier à 15 ans, n'est-ce plus un détournement des mineurs? Maintenant, comme tu as évoqué la clause qui dit qu'il faut l'accord préalable des parents, je veux bien, mais quel parent envoie son enfant mariage à 15 ans? Alors, ensuite, à quel âge peut-on se marier à la coutume au Gabon? C'est quasiment 18 ans minimum pour les femmes. Donc, on dit, pour se marier à la coutume, une femme doit avoir au moins 18 ans. D'accord. Et être consentante. Merci. Quel que soit l'âge qu'on a, c'est-à-dire même moi, à mon lourd âge, je dois être consentante. C'est pas la force. On ne m'oblige pas à aller quelque part. Et l'article 264 du Code pénal dit que quiconque donne en mariage coutumier ou épouse coutumièrement une femme non consentante ou une mineure âgée de moins de 18 ans est puni d'un emprisonnement de 5 ans au plus. En fait, en gros, tu me forces à aller mettre la bague ou bien à aller porter les habits avec le raffia. Frère, je te porte place. C'est 5 ans minimum que tu prends, frère, quand même à la prison sans 30 ans. Mais après, ça, c'est ce que dit la loi. Aujourd'hui, on peut voir... Nul n'est censé ignorer la loi. Aujourd'hui, on vous a donné une réponse. Mais après, je voudrais quand même rappeler quelque chose. Oui. C'est mon avis, hein. C'est subjectif. Donc, moi, je pense que le mariage ne devrait pas... On ne devrait pas établir un âge précis pour se marier. On se marie quand on a la capacité de le faire, quand on est, quand on sent qu'on veut le faire. Ça là, ce que tu veux, là où tu vas aller, là, c'est long. Je tiens quand même à préciser, comme l'a dit Lionel tout court, mais c'est l'ancienne réforme avant l'âge de majorité au Gabon. Donc, c'est vraiment, c'est. Donc, il faut bien. Parce que quand même, 15 ans. Autre chose, c'est-à-dire. Tu vas dire que tu es capable. La plupart des enfants pensent qu'ils sont capables de beaucoup de choses. Il faut y avoir des adultes qui se marient aujourd'hui pensent qu'ils sont capables d'aller en mariage. Il y en a qui vont venir se plaindre. Donc imagine des enfants. Il y a quelqu'un qui a écrit, et j'ai beaucoup apprécié, que l'enfant de 15 ans va pleurer tous les jours. Oui, le mariage, c'est pas le lait, frère. C'est pas. Mais après, je me dis qu'à moins de 15 ans, c'est trop tôt quand même. C'est vrai que les pays ouest-africains, c'est. Blessings au goût. Le mariage, c'est le lait ou c'est pas le lait? Faut nous dire. Parce que il parle ici beaucoup sur le plateau. Non, moi, je voudrais être un avis. C'est pas le laisse d'aller, il faut être mentalement fort. Oui, il faut être mentalement fort, déjà prêt et mature surtout. Voilà. Parce que c'est une préparation aussi. Tu pars pour quelqu'un et la personne vient pour toi. Donc, si tu pars. En plus, quelqu'un qui a son éducation, frangin, il ne sait pas que quand tu vas mettre les habits de ce côté, il va venir déranger tout ça là. Voilà. Dans la coutume africaine, moi, je veux bien qu'on en parle chez les Blancs. Ils évoluent un peu plus vite que nous dans leur mentalité. C'est ce qui est, on va dire, qui paraît. Mais en Afrique, on n'est pas encore développé mentalement comme il faut. On a encore Même physiquement. Bon, c'est vrai que vous allez ne commencer pas à dire que les enfants de 15 ans, on n'a pas dit ça. Laissez ça là-bas. Donc voilà, c'était pour nous édifier aujourd'hui sur que dit la loi. Et là, on va faire une petite pause musicale avant de faire entrer notre invité. Let me introduce notre wax me du jour avec Bucine et le titre Where You Are. Remarque, c'est pas la peine de manger, je parle en anglais. Bucine de artiste, de Gabonaise artiste. Voilà. Wax me. Wax me. Chaque jour tu te lèves, la vie n'est pas ce que tu espérais. Autour de toi tout s'effondre et tes peurs ont pris la place. Une bulle avalée par ton désir de voir tout s'évanouir.
restant fort au dehors. Mais au dedans un trou énorme. I've been right there where you are. I've been crying your tears. Gave my best just to get through. Yes, I've been there just like you. I've been right there where you are. I've been facing your fears. As I thought that I was gone, I found the strength to carry on. So this is your song to tell you, just like me, you'll be okay. Effectivement que nous avons une dame sur le plateau, comme par hasard, parce que nous sommes le mois de mars, et le mois de mars, c'est le mois de la fête des femmes de tout le monde entier. Voilà, et nous avons là une belle femme noire, gabonaise, avec les sous fêtes. Voilà, je fête si je veux. Donc aujourd'hui, je fête, demain, je fête. À fin du mois, je fête. 31 décembre, je fête encore. Voilà. Bonjour, Madame Stéphie Adabès. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Voilà, donc les connectés, vous avez là notre invitée du jour, Stéphie Adabès, et vous allez savoir qui elle est, parce que nous aussi sur le plateau, on ne sait pas. Donc dorénavant, enfin là maintenant, vous êtes sur le plateau, la matinale 241, et là, je vais jouer la gendarmette stylée, et je vais vous poser des questions en vous demandant, s'il vous plaît, de répondre à notre carte d'identité. Je sais pas pourquoi vous me regardez un genre. Non, parce que vous êtes jolie. Ah, ah merci. Vous êtes fraîche ce matin. Oh là là, oh, voilà. Je suis jolie. Ok, nom et prénom. De mon nom, c'est Gertrude Ada Abessou. D'accord. Voilà, nom d'artiste, Stéphie Adabès. D'accord. Fin. Pardon? Vous êtes fin? Je suis fin, originaire du Rolentin.
Doyen, Demitam, Doyen. C'est logique, toujours. Oh là là, j'ai déjà dit ça ici, que tout Gabonais est un fond qui s'ignore. Voilà, fond devant vous. Voilà le style. C'est pas votre truc. Regardez, zoomez. Là, tu as Jonathan. Cherché quelqu'un là. Tu cherches un débat, c'est date ça? De naissance. Le 01-10-1973. D'accord, je ne vais pas vous demander le chiffre parce que c'est pas très classe de demander à une femme, mais on peut faire le calcul, on a déjà compris. Voilà, on a déjà compris. Alors, lieu de naissance. Port-Gentil. Port-Gentil. Situation matrimoniale. Je suis mère. D'accord. Grand-mère. D'accord. Épouse. D'accord. Voilà. Non, j'aime bien le début. Situation matrimoniale. Je suis mère. À un moment donné, nous regardons que. Oui, j'ai eu peur. Comment tu fais comme ça? D'accord. Et profession? Je suis directrice générale d'une structure. De la place? Non, non, non. De la place. D'accord. Nom et prénom de vos parents? Mon feu père s'appelait François Bessolomico. Oui. Ma maman, Mbam, Hélène. D'accord. Et profession de chacun? Mon père était sapeur-pompier à F Gabon. D'accord. Ma maman, elle était femme au foyer. Voilà. Merci, Stéphie Adabès, d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir présenté votre carte d'identité. Je vous en prie. Donc, du coup, vous avez compris que ce n'était pas compliqué. Ça va? Ouais, ça va. Alors, Stéphie Adabès, aujourd'hui, vous êtes sur le plateau de la matinale 241 sur la chaîne web Fièrement Gabonaise, Média 241. Donc, on vous souhaite encore une fois la bienvenue. Et moi, je vous connais un peu. Ah. Pas de visage, oui. Mais vocalement. Vocalement? Oui. Wow. Parce que votre voix me dit quelque chose. Sauf si je me trompe. Je n'ai pas tendance à savoir ou... Non, allez-y. Peut-être que je me trompe. Je vais voir juste si dans ma mémoire, je retiens bien. Parce qu'on a dit tout à l'heure, la citation du jour, c'était les... La citation. N'oublie pas les archives. Très bien. C'est archivé. La voix est archivée quelque part. Mais je veux voir si c'est juste ce que j'ai archivé. Alors, la voix de Stéphanie Adabès. Parce que je sais que vous n'êtes pas... Stéphie Adabès. Parce que je sais que vous n'êtes pas... vous n'étiez pas déjà connue du grand public. Mais on vous entendait déjà quelque part. Oui. Avec Akenenge? Non. Annie Flore? Non plus. D'accord. Là, ça commence à être bizarre. Bon, on vous a entendu où? Je pense que ma première apparition, hein, c'est dans Hommage à Pierre Claverzin. J'arrivais, on n'était pas encore arrivé chez les fonds. C'est pour ça que j'ai d'abord cité Akenenge Annie Flore, parce qu'ils ne sont pas fonds. Moins 4. Donc Pierre Claver, d'accord. Oui. Et c'était dans quelle chanson? L'hommage, la chanson Hommage? Oui, l'hommage. Avec tous les artistes? Du Wolintem. Ah, ok, spécialement. Oui, l'hommage. D'accord. Donc celui avec les artistes, le collectif, les artistes. Du Nord. D'accord, voilà. Ok. Et aujourd'hui, vous avez décidé de vous afficher devant les écrans avec, je pense, un clip qui est fraîchement sorti. Tout à fait, oui, j'ai décidé. Il fallait pas. Je voulais plus que ça sommeille dans mon téléphone ou dans le studio. Il fallait quand même, on commence quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. D'accord. Donc là, j'y suis arrivée. Et. Il est là, mon single, Ayimbe, qui a décidé de le faire. En fait, par des encouragements aussi des amis qui ont vu en moi que j'avais ce petit talent de chanter, d'interpréter, et voilà. D'accord, ce petit talent de chanter et d'interpréter, moi j'ai cru entendre, quand j'ai fouillé, j'ai cru entendre que vous avez commencé dans une chorale protestante. Tout à fait, dans mon village, notamment. D'accord, ok. Dans le canton Ouélé. Oui. Voilà, ça, donc. Oui, donc j'ai commencé dans mon village, Mauban, dans la chorale. Ouais. D'accord. Alors, danse traditionnelle, Mokom. Oui, j'ai fait. Parce que, étant née à Port-Gentil, je me suis dit, pour que je sache que je suis une fille fan et quand, il fallait au moins que, quelque part. Que je fasse un truc qui se rapporte à ma culture. Donc, je suis allée apprendre à danser le mokom. D'accord. Voilà, donc j'ai dansé le mokom. Et c'est quoi exactement le mokom? Le mokom, c'est un rythme avec, là, on trouve le, je ne sais pas comment dire, hein, c'est traditionnel, c'est...
Les instruments de musique traditionnelle. Ouais, des tambours, voilà. D'accord, je vois. Avec des trucs au pied, des raffias, des colliers, des couilles, et tout de suite. D'accord. De ce pays, il faut que je retrouve ça dans, oui, dans cette rue comme ça. Danse traditionnelle. Oui. Alors, ensuite, vous arrivez à Libreville et vous allez au studio de Bernimba où vous faites la connaissance de plusieurs artistes du Wolentem. Tout à fait. Voilà. Mais il faut rappeler que à OIM, parce que j'ai appris à OIM, et j'ai fait la connaissance, étant en troisième, hein, j'ai fait la connaissance d'un humoriste, d'un ancien humoriste, du Sogadan, qui avait un groupe. Alors, donc j'ai fait de l'imitation star là-dedans. J'imitais les stars. Et puis en même temps, j'étais coactrice de CSN. Donc, j'arrive à Libreville, c'est grand, c'est super dur, mais je suis à cet égard où je vais, il y avait un studio, le studio de Bernimba. On appelait à l'époque Studio Banane. Donc c'est là où je croise les artistes du Wolentem, Bénédicte Andem, Prosper Zé, Moisan Eya, Placine Ba. Tout voilà, donc je les croise et où j'apprends à poser les voix auprès de Bénédicte Andem qui me donne qui m'apprend les techniques, les rudiments comment poser sa voix. Voilà. En studio, parce que c'est pas, oui, c'est pas la même chose. Bah oui, vous savez, quand on est au village, on a une autre façon de chanter. Mais exactement. Mais avec le micro, c'est autre chose. Voilà. Effectivement. Donc, après Priscilla, oui. Bonjour déjà Stéphie. Oui, bonjour. Alors moi, je voulais savoir, est-ce que la musique a été toujours une passion? Est-ce que vous avez toujours voulu faire de la musique ou c'était vraiment un deuxième choix? Ah oui, moi, de toute façon, si les choses étaient mieux structurées, moi, je n'aurais fait que de la musique. Ok. Ah oui, tous ceux qui sont autour de moi, mon entourage, savent que je ne peux pas passer une journée sans chanter. Quand je chante, je suis moi. C'est mon élément, c'est ma chose. Donc, vous avez rencontré des artistes gabonais, dont Pierre Clavernzé. Il y a une chanson non. que... Non, j'ai rencontré Prosper Nzé. Voilà, ok. Voilà. Et du coup, Maman Dédé aussi. À Maman Dédé, j'ai collaboré dans cet hommage-là. Voilà, d'accord. Donc, voilà. Eux, ils m'ont trouvé en studio et ils ont apprécié ma voix. Ils ont dit, ok, quand on fera l'hommage à Maman Dédé, on aimerait que... Et puis, pour rendre hommage à cette grande dame Maman Dédé... Pour moi, c'était un honneur de chanter pour... Mais c'est quand même incroyable, c'est une belle histoire, c'est une belle... Oui, bien sûr. On vous a entendu dans un studio et on s'est dit, elle doit être dans l'hommage. Ça veut dire que vous avez quand même montré quelque chose qui était intéressant. C'est que son grande voix avait une Oui, parce que lorsque moi je regarde, parce que moi j'écoute beaucoup de musique, et surtout la musique funk, parce que je suis funk d'abord, et lorsque j'ai regardé le clip hommage à Pierre Claver, pas avec les artistes du Wolentem, mais avec l'autre, parce qu'il y a une chanson de Pierre Claver, Zanibom, que j'aime beaucoup et que ma mère apprécie, c'est Aou. Ah ouais, j'adore ce... Mais franchement, c'est... Moi, j'ai besoin d'une femme qui fasse ce remix de ça, ça va être trop bien. C'est vrai que trop bien. De la chanson, oui. Mais j'aime beaucoup cette. D'accord, cette donc, et vous intégrez l'orchestre Ngong Music. En fait, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a des méchants orphans, en fait, qui sont jaloux de nous parce qu'il y a des fonds sur le plateau, en fait. On travaille. Donc, c'est la famille. Vous êtes dans l'orchestre Ngong Music, ensuite Masako, Nouvelle Génération, et en 2018, vous rentrez en studio, c'est ça? Oh oui. Voilà. Il faut dire que si je vais à Ngong Music, c'est sous les orientations de Bénédicte Andem qui me dit, si tu veux bien chanter, il faut que tu intègres les orchestres. Tu intègres les orchestres. Donc, j'ai commencé à Ngong Music et ensuite, les amis m'ont amené à Masako Nouvelle Génération, en tout cas dans le but de m'améliorer, parce qu'elle me disait, j'aimerais pas que si tu sortes un titre un jour, que je t'entende... Et puis c'est bizarre, quoi. Ouais, faut que ça soit donc, propre. Je n'ai fait que suivre ces conseils-là. D'accord. Je ne peux pas dire que j'ai atteint le sommet, mais ça m'a quand même permis de... Ça vous a tellement permis de... Et c'est pour ça que ce clip, il est sorti. Et comme on a l'occasion, et je crois le privilège d'avoir ce clip, donc on va se permettre en exclu.
Oui, il est déjà sorti. Oui, il est sorti parce qu'il est sorti le 6 mars. Oh là là. Le 6 mars, ça va. Il y a beaucoup qui sont connectés là, ils ne connaissent pas le film, ils ne connaissent pas la dame. Donc on a l'exclusivité de Stéphie Adabès et de son clip. Le titre c'est Ayinob. C'est enfant. Non, oui, il faut bien avec l'accent. Ayinob. Parce qu'il y a des jaloux là. C'est Ayinob. Ayinob. Oh là là, ma mère serait fière de moi, je répète. Ayinob. Se cogner. Oh, Jésus. Oui, se cogner, c'est ça? Oui, Ayinob. De manière littérale, voudrait dire se bousculer. Voilà. Se cogner. C'est ça. C'est une collision. Mais cette fois-ci, c'est une collision plus ou moins amoureuse. Une collision amoureuse. D'accord. C'est-à-dire amortie, vous voyez. Exactement. Voilà. Donc, l'artiste Stéphie Adabès, on va regarder un extrait de son clip à Yenub. Voilà. Babina yemina mabaku mazolugu no wamagatama Akiye mamienu mangane ya yoba Matobo bangonyo mabumbo seki zolugu no wamazeroa Akiye mamemo jokoro dosuya Bomarabu mingongang miso kizo luno wa mazeroa Akie mamiele mametrizea Madonna yomobi silada kumazo bobi zangaya nomo wam Haka, moi-même je koko dosuya Mamiele mebe le secret Mato manganangana yubo Yeye, manganangana yuba Akie, mamiele manganangana yuba Beau cadeau, beau voyage, beau ce qui zunin des amka hein? Hakie, moi-même je cours dessus nga Beau le technique Beau sapé, beau pensée, beau ce qui zolou no amka hein? Hakie, ma mienne m'a gagné à yoba Bousse merci Mazo beau tuye tuye, baku mazo momme tsavya no mowa Atingwa bina batingwa ba Major production, la qualité. Oh là là, j'aurais dû dire. On était danser hein, doucement, pour pas faire comme vous voulez faire là. Non, mais déjà, on va se permettre de noter ton clip. Voilà. Donc, Hervé, qu'est-ce que tu penses du clip de Stéphie Adabès? Alors, moi, j'aime pas. Non, c'est vrai, j'aime pas. Moi, j'aime bien. Parce que je te regardais déjà un jour. Moi, j'aime bien tout ce qui valorise la culture, surtout la culture gabonaise. D'accord. L'art, la musique. Vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et continuer dans cette lancée. Merci. Romaric. Alors, là, je vous allez dire au quartier que parce que je suis un fan. Non, moi, ceux qui me connaissent savent que je suis un amoureux de la musique et je trouve ça bien. J'ai l'impression que ça fait longtemps que je n'avais pas écouté de musique de chez nous. Ça là-bas. Change. Et je disais à notre artiste qu'on a l'impression que ce n'est pas elle qui chante. On a vraiment l'impression. Parce que lorsqu'elle parle et lorsqu'elle chante, c'est différent. Et puis, elle nous expliquait un peu que culturellement, lorsqu'on doit faire quelque chose qui revient de la province, du village et tout, il ne faut pas trop en faire. Il faut rester... Et moi, j'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Bon, à moi de trancher. Hein, parce que voilà, c'est moi qui jigue sur le plateau. Donc, je mets les deux. J'aime. Le style surtout de l'artiste, parce que je lui disais ça tout à l'heure, c'est différent. On voit une dame avec des cheveux jaunes, avec des radars, et ensuite on voit de la tradition avec de la langue franc,
très bien ambiancé et très bien mélangé. Donc pour moi, c'est tout bénef, c'est très bon. Et on ne dit pas ça sur parce que vous êtes sur le plateau, parce qu'ici sur la matinale du 141, on est très tranchant. Quand on n'aime pas, on n'aime pas. Là, on aime bien. Donc ça va. Donc du coup, vous nous disiez. On n'a pas souvent les mêmes avis. Oui. Parce qu'en général, ils disent que c'est moi la méchante, mais bon, c'est pas grave. Donc, on nous disait que c'était une rencontre, collision amoureuse, c'est ça, vous racontez dedans, d'une vie de vous, ou pas du tout? C'est de manière générale. D'accord. De manière générale. Quelqu'un, en fait, surtout quand on parle d'Alimbe, c'est un cri, hein, c'est un désir. Bien habité, il n'y a pas de vous voyez, c'est le désir d'être avec. Avec quelqu'un. Avec. As-tu le désir de blessing de nous pour ma raison? Elle avait toujours, oui. Une question pour Stéphie. Moi, je voudrais quand même savoir quelque chose. Lorsque vous êtes en studio, est-ce que vous écrivez en langue pour chanter ce que vous chantez? Ou les paroles, vous les retenez Il faudrait que je rappelle aux uns et aux autres ici d'abord que je suis une cantatrice. C'est-à-dire, je fais, en dehors d'être artiste, maintenant, j'ai commencé dans le traditionnel. En fait, j'anime les mariages coutumiers avec seulement le maracas. Vous voyez? Oui. Donc, c'est là-bas, c'est de là où je fais la résurrection de ces chansons-là en les transposant, en les modernisant. D'accord. Voilà. Donc, ce qui fait que c'est déjà là. Mm-hmm. C'est juste qu'on trouve des paroles, on harmonise de manière à ce que vous adaptez. Voilà, j'adapte que les gens soient impactés, soient touchés. Voilà, donc c'est écrire. C'est, évidemment, on est obligé d'écrire, sinon on oublie quand il faut coordonner, il faut que c'est une suite logique. En fait, ce que moi je voulais rebondir sur sa question, c'est est-ce que vous écrivez directement en France En France, évidemment. On écrit en France. D'accord, parce qu'il y en a qui écrivent d'abord en français, après qui essayent de traduire pour pouvoir chanter. Oui. Donc vous entendez votre musique directement au fond dans votre tête. Oui. Ok, ok. Évidemment. Alors vous avez quand même Romaric Nkogé qui dit c'était un bonheur d'écouter cette dame dans. Yorick, oh là là, mon Dieu, je sais pas. Qui dit c'était un bonheur d'écouter cette dame dans toute mon enfance. Donc voilà, il y a des gens qui vous connaissent quand même. Vocalement, même si vous ne vous avez pas beaucoup vu, mais voilà. Donc. Et du coup, la promotion du clip, ça commence ici, bien évidemment. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On passe sur les autres plateaux? Oui. Dernièrement, j'étais à Gabon Culture. D'accord. Je suis à 240. Média 241. Je pense que je continue. J'ai déjà fait l'émission Promotion Canapé. D'accord. Je suis à la matinale. Je crois que je vais arriver à. C'est Marcy. Normal. En fait, je ne sais pas pourquoi vous, là-bas, qui nous regardez, vous voulez faire genre. C'est Média 241, fièrement gabonaise d'abord. C'est nous qui gérons aussi, en fait. Vous voulez faire la promo? Venez, en fait. Voilà. Vous venez sur la matinale. On a plein de programmes pour vous. La matinale, vous venez, on discute. Madame avec Madame Stéphie Adabès, ou alors vous passez sur le Wax Me, vous avez vu le Wax Me de Bucine tout à l'heure, vous nous appelez, on fait ça. Je sais pas, il y a beaucoup de choses à vous proposer à Chap Chap. Bon, après Chap Chap, c'est un autre niveau. On va titiller Stéphie dessus un jour dans un Chap Chap et on va essayer de chercher un peu. Alors, comment on fait pour vous contacter? C'est vrai qu'en ce moment, on n'a pas vraiment de prestations à cause de la Covid-19, faut pas oublier. Mais quand même, n'empêche, lorsqu'on respecte les mesures barrières et le nombre de personnes pour les cérémonies, donc comment on fait pour contacter Stéphie Adabès pour venir nous ambiancer? Alors, pour que je vienne à cette invitation, il faudrait appeler au 076 45 55 83. On va le répéter. 076 45 55 83. Voilà, donc vous l'avez entendu. Si vous voulez la contacter, ce sera sur le 076 45 55 83. Mais bien évidemment, vous n'allez pas tomber sur elle parce qu'on vous connaît. Vous avez pris les numéros de téléphone des gens ici, pensant que comme c'est une dame, en plus elle a dit qu'elle est maman, grand-mère, mariée. Donc, laissez. Appelez seulement pour le gombo, hein, et puis elle va venir vous ambiancer. Alors, hormis le fait que maintenant vous avez votre clip, c'est quoi la suite? Un album? Un single? En fait, j'ai un album. D'accord. Ouais, de combien de titres? De 8 titres. Ok. Alors j'ai commencé, ça, Aïmol, pour moi, ce single-là, c'était pour tâter, pour voir
ce quel effet je le peux retour, voilà donc ce retour là a vraiment une importance pour moi. Oui, c'est clair. Oui, il faut savoir où met les pieds. Oui, est-ce qu'il fait partie de l'album ou bien il est en dehors? Si, non, il fait partie de l'album. D'accord. Voilà, donc j'ai juste donc évidemment ça va de soi que s'il marche bien vous serez poussé à faire sortir l'album entier ou d'autres clips. Mais je n'ai, puisque c'est l'album, j'ai l'obligation de le faire sortir. Okay. Je ne pourrais pas. Il ne faudrait pas qu'il reste en chambre. Ouais. Voilà. Hervé, tu avais une question? Non, c'est bon, il a répondu à ma question. Donc, est-ce que l'album est déjà dispo? Non. Non, il n'est pas encore dispo. Okay. Il va être dispo sous peu. Sous peu. Donc, c'est un album de 8 titres. Et Ayinbe, c'est quel numéro? Enfin, c'est quel... On n'a pas encore... Et après, je voudrais également dire que Ayinbe, on peut le trouver sur quel réseau social? On le trouve sur YouTube. D'accord. À quel nom? Stéphie Adabès. Okay. Stéphie Adabès. Ok. Donc, du coup, nous, on n'a plus de questions. J'espère que vous allez faire comme nous et aller sur YouTube en tapant Stéphie Adabès avec le clip Ayinbe. Hein. Faut soutenir les Gabonais et la musique gabonaise d'abord. Et puis, vous allez vous ambiancer avec. Ce sera oui, c'est une façon. Plus facile, c'est de la bonne musique. Hein. Exactement. Surtout que les femmes mariées adorent cette chanson. Voilà. Même s'il y a une province que je ne citerai pas, hein, qui critique les femmes, mais c'est pas notre faute, vous voyez. Il y a des femmes qui ne sont pas francs qui chantent enfants. Vous avez vu Arnold Jou, ils chantent toujours enfants et ça ambiance. Donc c'est pas de notre faute, c'est comme ça. C'est la vie qui est comme ça. Tout Gabonais est un franc qui s'ignore. Et je vais finir avec cette citation en vous souhaitant une excellente journée parce qu'il est 10h et nous on va partir travailler sur autre chose, sur d'autres sujets avec d'autres artistes qui nous attendent dans les coulisses. Donc je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve demain, s'il plaît à Dieu, à partir de 8h30 sur Média 241, la chaîne web fièrement gabonaise et sur la matinale 241. Parce que c'est nous qui digons sur les réseaux sociaux. Bye. Bye. Bye.